Au cours des dernières années, on nous a longuement parlé d'équité salariale. Il s'agit d'un salaire ajusté aux exigences du travail effectué, sans égard à la personne et au lieu de travail. Que le travail soit accompli par un homme ou par une femme, dans le secteur privé ou dans le secteur public, la loi de la juste rémunération doit être la même pour tous. Dans les milieux de travail, on continue à parler d'ancienneté et de salaire garanti. Voilà des expressions avec lesquelles nous sommes familiers et qui reflètent un souci bien évident du respect des travailleurs. Aujourd'hui, à première vue, le récit de l'Évangile ne tient aucun compte d'équité salariale ni d'ancienneté. Celui qui a travaillé une heure reçoit autant que celui qui a travaillé toute la journée. Ce n'est donc pas une façon de faire à laquelle on se réfère dans des négociations. Pourtant, ce mot à mot de l'Évangile se vit présentement dans plusieurs endroits du monde. Vous êtes un jeune qui n'a pas encore payé d'impôts au gouvernement et vous bénéficiez de services médicaux et d'une éducation gratuite. Ce n'est pas juste parce qu'en Afrique, il y a plusieurs pays où les parents doivent payer pour l'éducation, même primaire, et les soins de santé. Et en Afrique et dans bien d'autres pays du monde. Vous êtes une personne qui n'avait jamais payé d'impôts parce que vos revenus étaient insuffisants et vous tombez malade. Vous avez droit aux mêmes soins que la personne qui a payé de forts impôts. Ce n'est pas juste. Vous avez tout dépensé pendant votre vie, vous avez bu, vous avez bamboché, vous vous retrouvez malade dans un centre d'hébergement. Vous avez droit à tous les soins, en plus d'être nourri et logé. On encaisse votre chèque de la sécurité, de la vieillesse et du supplément, et on vous remet environ 150 $ par mois pour vos petites dépenses. Alors que la personne qui occupe la chambre voisine déboursera annuellement aux alentours de 18 à 20 000 $ parce qu'elle a des économies. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, mais c'est la loi de la sécurité sociale pour tous qui veut que ce soit ainsi. On ne peut pas organiser la vie du monde comme on organise les relations de travail dans une entreprise. La société doit donc voir au minimum de bien-être de tous ses membres, en leur procurant éducation, soins de santé et sécurité sociale. Ce n'est pas juste, mais c'est nécessaire qu'il en soit ainsi, par respect pour toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur condition psychologique, sociale, familiale et économique. Si nous, faibles et limités que nous sommes, en sommes venus à construire une société où les droits de la personne l'emportent sur les droits du porte-monnaie, Dieu, qui est infiniment bon et miséricordieux, peut se permettre d'ouvrir son ciel à qui il veut, sans égard au nombre de bonnes œuvres posées, ni à la longueur du temps de fidélité. Ce que Jésus veut nous faire comprendre dans ce passage d'Évangile que nous venons de proclamer, c'est tout simplement ceci. Le salut de Dieu est quelque chose de tout à fait gratuit. Il ne se mérite pas à coup d'effort. Il est offert à tous, autant à celui qui est fidèle depuis toujours qu'à celui qui découvre le Seigneur à la toute dernière minute de son existence. Ce n'est pas parce qu'on a été baptisé tout jeune, qu'on a pratiqué avec fidélité pendant toute sa vie, qu'on a nécessairement droit au ciel. Le ciel ne se mérite pas, contrairement à l'expression de certains de nos prédécesseurs qui méritaient leur ciel. La vie éternelle en présence de Jésus ressuscité, c'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'on ne peut la mériter et encore moins l'acheter sur cette terre. Notre seul mérite, s'il en est un, c'est de nous mettre en état de recevoir ce don gratuit de Dieu, comme les hommes qui voulaient travailler se ramassaient sur la place publique, qui se mettaient en état d'aller travailler. Certains sont partis tôt le matin, d'autres sont arrivés plus tard en fin d'après-midi. Mais il fallait être en état d'accueillir le propriétaire qui avait besoin de travailleurs. Alors c'est la même chose dans nos relations avec Dieu. Nous savons que notre Dieu est juste et miséricordieux. Comment exercera-t-il sa justice et sa miséricorde envers nous? Sera-t-il plus juste que miséricordieux? Beaucoup de textes dans l'Évangile laissent sous-entendre que la miséricorde l'emportera sur la justice. Suivons le conseil de Paul dans la deuxième lecture.
qui affirme « Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile du Christ » et sans oublier l'invitation du prophète Isaïe dans la première lecture, « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, lui qui est riche en pardon. » Amen. Amen.